Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi écrivain et poète. Vous avez publié de nombreux essais, à la fois en matière de vulgarisation scientifique, mais aussi de vrais romans et de vrais recueils de poésie. Vous travaillez principalement sur les origines et les formes de l'univers. On sait même qu'une petite planète porte votre nom, la planète numéro 5523. Est-ce que pour vous, au fond, cet univers est issu d'un atome primitif qui contiendrait toute l'énergie cosmique, comme le prédisait déjà Friedman dans les années 30? Oui, donc là vous faites allusion à la fameuse théorie du Big Bang, qui est une théorie de la cosmologie. Donc c'est mon domaine effectivement de recherche de prédilection, la cosmologie, qui paradoxalement c'est une discipline l'une des plus anciennes, puisque déjà les Grecs de l'Antiquité, Platon, Aristote, avaient proposé des modèles généraux, ce qu'ils appelaient des systèmes du monde, et paradoxalement c'est aussi peut-être la discipline actuellement l'une des disciplines les plus brûlantes, grâce à une conjonction de nouvelles théories qui ouvrent des horizons tout à fait insoupçonnés, dont j'aurai sans doute l'occasion de parler plus tard, et puis la conjonction d'observations astronomiques très profondes qui permettent justement de contrôler ces théories. Alors en tout cas, la cosmologie du XXe siècle repose sur deux piliers fondamentaux, un pilier théorique qui est la théorie de la relativité, élaborée par Albert Einstein, dans laquelle il faut abandonner les conceptions ancrées depuis des siècles d'un espace absolu donné une fois pour toutes, d'un temps éternel, d'une matière ou d'une énergie qui sont indépendantes de cet espace, au profit d'une nouvelle vision beaucoup plus riche qui associe dans une même structure assez compliquée l'espace, le temps et la matière. On a une sorte d'espace-temps élastique et souple dont les courbures et les formes sont régies et dictées par la distribution des corps massifs, par exemple des galaxies, des étoiles, etc. Alors l'une des applications extraordinaires de la relativité générale, c'est précisément tenter de décrire l'univers dans son ensemble, à la fois sa structure spatiale et éventuellement son histoire temporelle. Et ça c'est une grande nouveauté, puisque avant la relativité générale, on pensait à une éventuelle structure de l'espace, mais pas vraiment une structure temporelle, parce qu'on pensait que justement l'espace n'avait pas vraiment d'histoire, qu'il existait depuis toute éternité, qu'il était en quelque sorte statique. Or, l'une des grandes découvertes de la cosmologie moderne, qui est l'une des prédictions théoriques de la relativité et qui est confirmée par des observations astronomiques qui ont été faites dès les années 1920 par des astronomes américains équipés de grands télescopes et qui ont vu apparemment un mouvement de fuite générale des objets lointains, c'est-à-dire des galaxies, cela s'interprète aujourd'hui, donc dans le cadre de la cosmologie dite relativiste, par un univers qui est en expansion. Donc ce n'est pas les objets qui fuient eux-mêmes avec des vitesses et des mouvements propres, c'est le tissu élastique de l'espace qui, sous l'effet de la matière qu'il contient, c'est-à-dire une distribution à peu près au homogène uniforme de galaxies, a spontanément tendance à se dilater. Alors c'est une vision à la fois dynamique de l'univers et non plus figée. Ça ramène un petit peu plutôt une philosophie à la Héraclite, hein, plutôt qu'à une philosophie du non-devenir comme Parménide, donc c'est très, très, très riche. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi à l'encontre du présupposé d'Einstein, puisque quand Einstein lui-même a essayé de dériver son propre modèle cosmologique de sa théorie de la relativité, il a continué à imaginer un univers qui ne bougeait pas, un univers statique. Et donc, en fait, le grand bond en avant, la grande révolution, c'est-à-dire donc la théorie du Big Bang, elle est née, en fait, de l'esprit fertile d'un mathématicien russe, Alexander Friedman, que vous avez cité, et puis surtout, en fait, de Georges Lemaître, cet extraordinaire physicien et abbé belge, qui a fondé vraiment la théorie qu'il a appelée de l'atome primitif, parce qu'il va de soi, logiquement, qu'à partir du moment où l'univers est en expansion, en allant vers le futur, si on remonte en arrière le fil du temps, l'univers dans le passé était plus petit, plus concentré, plus dense, et on arrive nécessairement et logiquement à l'idée d'un début de l'expansion, que l'on a appelé Big Bang. Enfin, Lemaître appelait cela l'atome primitif, dans lequel l'énergie totale de l'univers était en quelque sorte contenue dans cette sorte d'œuf cosmique, qui effectivement n'est pas sans rappeler certaines cosmogonies très, très anciennes, mais des cosmogonies évidemment étayées aujourd'hui par des équations subtiles, celles de la relativité générale, l'évolution de la matière, l'évolution de l'énergie. Alors il est clair que quand cette
théorie, ce modèle a été proposé dans les années 1930, d'abord par Friedman, mais qui est mort prématurément, puis ensuite par Lemaître, qui a beaucoup développé cette théorie. La théorie a fait un flop total dans la communauté des astrophysiciens, des astronomes, des cosmologistes, et même auprès d'Einstein, qui refusait de reconnaître le propre enfant de sa relativité générale, cet univers en évolution, en changement permanent, et surtout l'idée extrêmement gênante pour beaucoup de physiciens d'un début. D'un début de quoi? D'un début de l'univers, c'est quoi? Est-ce que c'est le début du temps? Est-ce que le Big Bang, c'est un temps zéro? Ben alors du coup, toutes les questions se posent. Qu'est-ce qu'il y a avant le temps zéro? Puis si l'univers est en expansion, beaucoup de gens se posent la question, mais dans quoi gonfle-t-il? Y a-t-il des dimensions supplémentaires? Voilà. Donc une théorie qui bouscule vraiment le paysage que l'on se faisait de l'espace et du temps, mais au profit évidemment d'une description infiniment plus riche et qui ouvre infiniment plus de portes de réflexion. Et cette théorie a mis à peu près 35 ans pour avoir sa première confirmation observationnelle convaincante. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 1965 pour que l'on découvre ce qu'on appelle le rayonnement fossile, qui est le vestige refroidi de l'univers primitif d'il y a 14 milliards d'années, qui à cette époque était une soupe primitive très chaude, très dense, qui a émis sa première lumière, et cette lumière a été détectée pour la première fois en 1965. Oui, mais s'il y a un rayonnement primitif, ça veut dire qu'il y avait en quelque sorte un amas de matière dans le vide. Eh bien ça, figurez-vous, ce type de raisonnement, c'est un raisonnement qui se rattache à une vision stoïcienne. C'est-à-dire les stoïciens, l'école des physiciens, les stoïciens imaginaient déjà, donc il y a pratiquement 25 siècles, que l'univers matériel était nécessairement une sorte d'îlot de matière isolé, donc dans un espace vide. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Pour comprendre que ça ne marche pas comme ça, il faut se rendre compte que la formalisation, parce que vous comprenez bien que derrière toutes ces théories de la physique, il y a un instrument qui permet de décrire ces théories, un instrument mathématique, qui est de la géométrie. Et il se trouve que la géométrie dont on a besoin pour construire ces espaces tant étranges n'est pas la géométrie d'Euclide. Et donc il faut abandonner en fait notre intuition habituelle, ce qu'on croit être notre bon sens, qui est en fait inculqué aussi par l'éducation et par beaucoup de choses, sur s'imaginer que l'espace est nécessairement informe et infini, et que l'univers matériel est un îlot isolé. Il faut faire appel à ce qu'on appelle des géométries non euclidiennes, qui initialement ont été explorées et découvertes par des mathématiciens au XIXe siècle, Riemann, Lobachevsky, etc. Einstein et ses collaborateurs se sont aperçus que ces géométries, qui au départ paraissaient tout à fait abstraites et déconnectées du monde réel, étaient très probablement la véritable géométrie pertinente pour décrire le monde réel. Et dans le cadre de ces géométries non euclidiennes, on conçoit parfaitement des univers matériels qui peuvent être soit infinis, mais qui peuvent aussi être finis sans avoir de frontières et sans avoir de limites. Donc, en abandonnant l'idée qu'il puisse y avoir un îlot de matière fini au sein d'un vide infini. C'est ça qui est très difficile à comprendre. Comment l'univers peut-il être en quelque sorte fini et sans frontières, et non pas infini dans l'absolu? Oui, là c'est l'une des pierres d'achoppement qui pose effectivement quelques difficultés de visualisation et de compréhension. On peut donner l'exemple traditionnel. Vous réduisez simplement, pour une raison pédagogique, vous réduisez en pensée l'univers à deux dimensions, comme si c'était une surface, simplement, en faisant abstraction d'une troisième dimension. Voilà. Donc vous retrouvez, l'astronome géomètre se retrouve sous forme d'une paramétrie absolument plate, qui n'a pas d'épaisseur, qui n'a que deux dimensions. Et imaginez que vous viviez tout simplement à la surface d'un grand ballon, c'est-à-dire d'une sphère. La surface d'une sphère, c'est quoi? C'est bien un espace, qui a certes à deux dimensions, c'est un espace qui est fini. Parce que si vous mesurez en centimètres carrés, en mètres carrés ou en kilomètres carrés la surface de votre sphère, vous obtenez un nombre fini. Si vous allez maintenant en ligne droite à la surface de votre sphère, en fait, vous parcourez un cercle, un grand cercle. D'accord? Voilà. Donc, cette ligne droite, vous en mesurez la longueur est finie. C'est la circonférence. Donc, à la fois, vous êtes dans une surface finie, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, vous n'avez jamais rencontré aucun obstacle dans votre parcours. Alors, à trois dimensions, il y a l'équivalent.
et de nombreux équivalents, le plus simple étant ce qu'on appelle l'hypersphère, c'est généralisé. Vous prenez une fusée dans l'espace ordinaire, vous avez droit devant vous, et éventuellement, un jour, vous apercevez, au bout de milliards d'années, si vous survivez jusque-là, qu'au lieu de vous être éloigné à l'infini, sans jamais, jamais avoir fait demi-tour, vous revenez près de votre point de départ, par exemple. Ce qui, apparemment, est calculable. Einstein le calcule. Ça fait partie des ça fait partie des prédictions et des solutions possibles de la relativité. Alors, il y a d'autres solutions, bien entendu, mais c'est justement là, cette solution, la solution de l'hypersphère, cet espace fini, sans bord, analogue de la sphère, mais à trois dimensions, c'est justement le modèle qui a d'abord été privilégié par Albert Einstein en 1917, mais avec... Einstein avait oublié quelque chose, c'est que dans la relativité, il n'y a pas que l'espace qui est courbé par la matière, il y a le temps aussi. Et donc Einstein avait laissé de côté ça, et il avait gardé cet espace statique. Et c'est Friedman et surtout le maître qui se sont aperçus que si on mettrait une distribution de matière et d'énergie dans cet espace-là, le temps était courbé aussi. Et ça veut dire quoi que le temps est courbé? Ça voulait dire que cette sphère ou cet espace, il avait également spontanément tendance à avoir une dynamique, à avoir une histoire au cours du temps. C'est ça la courbure du temps, c'est que le fait que l'univers peut se dilater ou se contracter. Alors, les observations disent qu'il se dilate, donc c'est ça l'expansion de l'univers. Donc, en gros, l'univers n'est ni tout à fait fini, ni tout à fait infini. C'est en somme une fausse question. Non, ce n'est pas une fausse question, parce que, sur le plan, vous allez plaquer un modèle géométrique pour décrire la nature de l'espace. L'espace, à un moment donné, après, vous pouvez calculer son évolution au cours du temps, bien sûr, savoir si c'est une expansion perpétuelle, ou si c'est au contraire une expansion qu'un jour va s'arrêter pour donner, céder la place à une contraction, etc., auquel cas vous auriez un big crunch à la fin de l'univers, au lieu d'avoir une expansion perpétuelle. Bon, ça, c'est l'histoire temporelle, mais à un moment donné, vous pouvez toujours essayer de décrire la forme de l'espace. Et vous posez la question, l'espace est-il fini ou infini? Ça, c'est une vraie question de géométrie. Voilà. Mais qui relève, en fait, d'une branche qui s'appelle la topologie, et sur laquelle, donc, il y a quelques rebondissements récents sur cette très ancienne question sur la nature finie ou infinie de l'espace. Justement, pour revenir à vos propres travaux, et si je vous ai bien compris, vous développez une forme de topologie particulière, que, me semble-t-il, le titre d'un de vos livres explicite assez clairement, celle de l'univers chiffonné. On peut prendre d'autres métaphores. Votre univers ressemblerait à une pièce dont toutes les parois seraient tapissées de miroirs qui se renvoient leurs propres images. Ou on peut prendre aussi la métaphore d'un cristal ou d'un prisme. Oui. Et par conséquent, si j'ai bien compris encore une fois, votre univers est fait en quelque sorte d'un seul et unique objet céleste qui projette des images multiples, des images fantômes. Est-ce que c'est bien ça ? En partie seulement. Bon, d'abord, effectivement, pour décrire la topologie de l'univers, la topologie, c'est la science des formes, d'une certaine façon. La science des formes, à la fois la forme globale, mais également les rapports de position et les rapports de connectivité entre différents lieux et différentes régions de l'univers. Donc, si par exemple, vous jouez en tant que mathématicien, vous jonglez avec des formes abstraites d'espace, vous pouvez prendre un espace théorique, vous pouvez vous amuser à le couper, à le recoller, c'est-à-dire vous changez ces degrés, ces rapports de connexité. Hein, donc, vous jouez avec la topologie. Donc, les mathématiciens ont fait un travail extrêmement sérieux de classer toutes les façons pertinentes de fabriquer des formes possibles d'espace à trois dimensions, courbées, par courbées, etc., etc. Bien. Après, on peut se dire, le physicien doit toujours se dire, les mathématiciens font des travaux sur des espaces abstraits, est-ce que ces espaces abstraits ne peuvent pas servir à décrire l'espace concret, l'espace réel, l'espace cosmique? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a une quinzaine d'années, en réfléchissant sur de nouveaux concepts donc, qui avaient été élaborés, des nouvelles formes qui avaient été imaginées par les mathématiciens, en disant, mais est-ce que l'espace, notre espace réel, ne pourrait pas avoir ces rapports complexes de connectivité? Et donc, j'ai utilisé des métaphores plus simples pour en parler au grand public, l'univers chiffonné qui évoque effectivement un univers un peu plissé, replié sur lui-même, ou le palais des glaces. Alors, pourquoi la métaphore du palais des glaces? C'est parce que si vous prenez, par exemple, vous prenez une feuille de papier, vous tracez sur la feuille deux points qui représentent par exemple nous, la Terre ou notre galaxie, et puis une galaxie lointaine. Donc sur la feuille de papier toute simple, pas froissée, vous avez une seule ligne qui joint ces deux points, donc ça veut dire que vous voyez la galaxie à un seul endroit. Maintenant, vous prenez votre feuille, vous changez ses rapports de connectivité, c'est-à-dire vous la repliez sur elle-même, vous la froissez un petit peu. Vous pouvez très bien imaginer qu'entre les deux points, cette fois-ci, les rayons lumineux, les lignes droites vont se démultiplier.
Les lignes droites sont les trajets des rayons lumineux. Donc du coup, vu de l'un des points, la Terre par exemple, l'autre point, lui, il va vous apparaître sous dans plusieurs directions différentes, mais à cause du chiffonnage de l'univers. Donc vous avez une sorte d'illusion d'optique, une sorte de mirage cosmique qui vous fait croire que, d'après les apparences, l'espace est déplié, alors qu'en fait, il est plié et plus petit que ce que l'on croit. Et pourtant, donc c'est ça la métaphore du palais des glaces. D'accord, hein. Mais on mesure quand même des distances en années-lumière, oui. En milliards d'années-lumière. Oui. Si c'est à ce point chiffonné, ça reviendrait à ce moment-là à une théorie à la Berkeley. Non, pas tout à fait, tout de même. Pas tout à fait. Il y a évidemment des contraintes sur le chiffonnage de l'univers. Vous ne pouvez pas supposer l'univers arbitrairement petit, et il est hors de question de penser qu'il y a un seul objet dans l'univers, et que tout le reste, une sorte de solipsisme absolu, où tout le reste ne serait qu'à des images démultipliées, etc. Bien entendu. Donc les modèles pertinents d'univers chiffonné font des hypothèses sur une forme complexe de l'espace, mais tout de même sur des échelles de distance assez grandes. Hein. Il ne s'agit pas de dire que l'univers ne mesure que 1 million de kilomètres de diamètre et que tout le reste est illusion d'optique. Non, aujourd'hui, les modèles pertinents d'univers chiffonné, c'est quand même des modèles où l'espace mesure 40 milliards d'années-lumière. Mais ce qui est relativement petit par rapport à l'espace infini, qui est l'un des modèles favoris tout de même, hein, 40 milliards, c'est infiniment petit par rapport à l'infini. Donc c'est quand même quelque chose de... Et cet espace replié sur lui-même produit quelques images fantômes. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que l'on regarde au télescope ne sont que des illusions d'optique, pas du tout. La plupart des objets sont réels, les galaxies sont réelles, mais on peut trouver quelques images fantômes de certaines galaxies, et puis de façon plus subtile, dans le rayonnement fossile dont j'ai parlé tout à l'heure, le vestige refroidi, on peut retrouver des sortes de corrélations entre les grumeaux de lumière que l'univers a émis, et si ce sont les mêmes points vus à des endroits différents, on peut trouver des corrélations entre ces grumeaux. Est-ce que la communauté scientifique accepte votre théorie ? Alors, comme toute théorie nouvelle qui bouscule un petit peu les idées reçues, cette théorie, au départ, a été vivement contestée, ce qui est tout à fait naturel. Donc, c'est aux auteurs de la théorie de faire leurs preuves. Voilà, donc, on est parti sur ces modèles-là avec un ou deux collaborateurs au début des années 90. La théorie s'est lentement développée, etc. Mais il y a eu un rebondissement extraordinaire il y a un an et demi seulement, c'est-à-dire il y a un an et demi, un satellite de la NASA a observé avec une précision inégalée la structure de ce fameux rayonnement fossile, les premiers grumeaux de lumière que l'univers a émis. Et en analysant cette structure, c'est un petit peu comme si on analysait les vibrations de l'univers primitif. L'univers primitif, pendant 400 000 ans, cette soupe très dense, très chaude, de particules élémentaires emprisonnant la lumière, a vibré, un peu comme un instrument de musique. Et ces vibrations peuvent se décomposer en harmoniques fondamentales. Et ces harmoniques, elles se lisent, de façon mathématiquement compliquée, mais elles se lisent quand même dans les figures, les grains de lumière que l'on voit dans le rayonnement fossile. Et donc le décodage de cette carte, qui n'a été délivré qu'en mars 2003, donc c'est vraiment récent, hein, ça a 2 ans, le décodage de cette carte nous a donné pour la première fois des contraintes et des indications très précises sur les propriétés de ce que j'appelle le tambour cosmique. Et le tambour cosmique, c'est quoi? Comme un instrument de musique, hein. Si vous jetez du sable à la surface d'un tambour, vous faites vibrer, le sable se rassemble en petits temps, en petits grains, et vous allez en déduire, en analysant les harmoniques fondamentales, la distribution des grains, vous allez en déduire la forme du tambour. Est-ce qu'il est bombé? Est-ce qu'il est incurvé? Est-ce qu'il est plat? Vous allez en déduire de quoi est fait le tambour. Un tambour qui est fait d'une peau animale ou d'une plaque de métal ne vibre pas de la même façon. Donc, en cosmologie, vous aurez également accès à de quoi est fait l'univers. Est-ce que c'est que de la matière ordinaire, de la matière atomique, ou est-ce qu'il y a des formes de matière plus bizarres, de matière sombre, de la matière noire, de l'énergie noire, etc. Et vous allez également avoir une information sur la taille du tambour. Est-ce que le tambour est fini ou infini? Vous comprenez bien que si vous prenez un tambour infini, vous le faites vibrer, vous avez toutes les longueurs d'onde. Si vous avez un tambour fini, il y a une coupure. Eh bien, justement, dans les données de ce satellite, il y a un certain nombre d'anomalies par rapport au modèle préféré jusqu'à présent d'un espace infini. Il manque certaines longueurs d'onde, comme un peu ce qu'il manquait des graves, suggérant que l'espace pourrait être effectivement petit et même plus petit que l'espace observé. L'espace réel, plus petit que l'espace observé. Donc, mirage topologique, donc possibilité d'univers chiffonné. Avec d'ailleurs un modèle extrêmement précis qui s'est dégagé, un modèle mathématique, qu'on a appelé l'espace, c'est un peu un gros mot, l'espace sphérique dodécaédrique. Ça veut dire que c'est un espace sphérique, ça veut dire qu'il est recourbé sur lui-même,
courbure positive. Dodécaédrique, ça veut dire que ces propriétés topologiques peuvent être déduites de façon un peu compliquée de cette fameuse figure très belle du dodécaèdre déjà invoquée par Platon, mais avec des mathématiques évidemment beaucoup plus complexes. Et voilà, les vibrations d'un espace sphérique dodécaédrique sous l'impulsion de quelque chose qui ressemble au Big Bang, quand on les calcule, on retrouve ce qui est observé. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des supercordes ? Pas encore. La jonction n'est pas faite. Et c'est justement l'un des sujets de réflexion les plus intéressants. Il faut d'abord replacer ce que c'est la théorie des supercordes. Ce dont je parlais jusqu'à présent, la forme de l'espace, ça a continué à se placer dans le cadre de la cosmologie classique, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas de phénomène de physique quantique. Donc on s'intéresse à la structure de l'espace avec des subtilités topologiques possibles. Maintenant, l'une des autres grandes questions de la cosmologie et de la physique fondamentale tout court, c'est d'essayer d'unifier en un même schéma ce que l'on comprend d'une part à grande échelle, et qui est décrit par la relativité générale, et puis ce que l'on comprend à très petite échelle, par exemple à l'échelle des particules élémentaires, infiniment petit, pour simplifier, et qui est décrit par la physique quantique. Ces deux théories, dans leur domaine respectif d'application, marchent extraordinairement bien. Dire qu'une théorie marche bien, ça veut pas dire qu'elle est juste. Ça veut dire qu'elle explique correctement les choses observées et qu'elle fait de bonnes prédictions. Voilà. C'est le cas de ces deux théories. Voilà. Maintenant, ces deux théories ont chacune leur domaine, leur limitation. Voilà. Et justement, quand on s'intéresse, quand on pousse la réflexion sur les choses les plus extrêmes de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang, par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir ? Y a-t-il des puits infinis ? Y a-t-il des singularités ? Y a-t-il des nœuds de l'espace-temps ? Là, on sait que la relativité générale seule est incapable de répondre à cette question. La physique quantique seule est incapable. Il faudrait marier les deux. D'où le désir forcené des physiciens d'aujourd'hui de chercher une sorte de théorie unitaire qui serait par exemple une théorie de la gravité quantique. Alors il y a plusieurs pistes qui sont explorées et l'une de ces pistes c'est ce qu'on appelle la théorie des supercordes. Ah, c'est une idée assez jolie, une double idée. La première idée c'est que les particules élémentaires ne doivent plus être décrites en termes de billes infiniment petites auxquels on attribue des propriétés de masse, de charge électrique, etc. Mais plutôt comme des entités plus abstraites, des sortes d'entités géométriques à une dimension, des cordes immatérielles, très petites, qui vibreraient. Et ce qu'on appelle particule, un photon, un proton, un neutron, c'est la même corde, mais qui vibre de façon différente. Singulier retour en Pythagore modernisé. Hein. Tout est vibration à ce niveau-là. Mais il y a un prix à payer pour ça. Parce que ça, c'est extraordinaire. Si vous voulez classer les particules élémentaires, là, vous faites une économie de moyens extraordinaire. Parce que vous décrivez les centaines de particules élémentaires apparemment différentes qui jaillissent des accélérateurs, etc., en termes de deux familles seulement, les cordes ouvertes et les cordes fermées, comme les portes. Hein. Voilà. Et c'est simplement, après, c'est la façon de vibrer des cordes qui définit ce qu'est une particule. Donc c'est un magnifique bond en avant vers la simplicité et l'unification. Il y a un prix à payer pour ça, parce que vous n'arrivez pas à faire marcher cette théorie sur la physique des particules si vous ne rajoutez pas des dimensions de l'espace. C'est-à-dire que ça ne marche pas dans l'espace à trois dimensions et une dimension du temps. Il faut construire des espaces multidimensionnels, et c'est ça que l'on appelle la théorie des supercordes. Voilà. Alors, la théorie des univers chiffonnés n'est qu'un sous-ensemble de la théorie des supercordes. Une vraie théorie unitaire devrait être à la fois capable de décrire l'espace fondamental, avec peut-être 10 ou 11 dimensions d'espace, et également la forme de l'espace à un moment donné. Mais on a la sensation aujourd'hui, du moins vu de l'extérieur, que c'est la théorie quantique qui prétend englober en quelque sorte la macrophysique. En quelque sorte, généraliser la physique des particules à l'ensemble des phénomènes macrophysiques. Je dirais que ça, c'est le point de vue des physiciens quantiques, qui tenteraient de ramener une théorie unitaire dans le giron de la physique quantique. C'est l'une des approches possibles. Et effectivement, la théorie des supercordes se rattache plutôt à cette vision-là. Il y a maintenant d'autres théories qui sont tout aussi pertinentes, mais tout aussi spéculatives que la théorie des supercordes, qui font l'inverse, qui essaient au contraire plutôt de ramener la physique quantique à la pure géométrie de l'espace, c'est-à-dire à la ramener plutôt à la vision de la relativité générale. Comprenez,
Il y a une différence fondamentale. La relativité générale, c'est vous avez un espace temps-matière qui sont couplés. En physique quantique, vous restez dans le cadre d'un espace temps ordinaire, c'est-à-dire fixé à l'avance, et simplement c'est la description de la matière et des interactions qui changent. Ça change radicalement, hein, notre rapport au réel, ce que c'est vraiment que la matière, ce que c'est que la vitesse, la position, mais malgré tout, vous travaillez dans un espace de fond fixe. C'est pour ça que ces deux théories sont incompatibles. Mais vous arrivez à collaborer avec des physiciens quantiques sur cette question de la géométrie de l'univers ? Ah oui, c'est une nécessité absolue de développer ces collaborations. Et vous, personnellement, est-ce que vous penseriez que, finalement, l'univers est mathématique ? Que tout peut être décrit mathématiquement ? Je crois qu'il est difficile d'être physicien théoricien sans penser cela. Il y a déjà, c'était le défi déjà de Platon, de Pythagore, où selon lui tout était arithmétique, Platon tout était géométrie, hein, rappelons la devise de l'entrée à l'académie, nul n'entre ici c'est des géomètres. Hein. Rappelons la citation de Galilée, l'univers est écrit dans la langue des mathématiques, c'est un livre dont les mots sont les figures de la géométrie. La relativité générale, c'est ça, la physique quantique également, ce ne sont pas les mêmes mathématiques, mais derrière, tout est mathématique et tout est géométrie. C'est une très profonde question, hein. L'univers est-il réellement mathématique ou nous fabriquons-nous, notre cerveau humain, des fictions mathématiques pour décrire un univers qui, en fait, lui, n'a rien à voir avec notre structure de notre cerveau et nous échappe. Et auquel cas, on ne serait simplement capable que de repérer dans l'univers des...